Mogé, Aster, on est parti. Et le fameux Io qui est de nouveau ban. Ouais, cette fois-ci, c'est Mogé l'enlève. Ils veulent pas rejouer contre le Io. Ils sont pris une game. Istal a bien paradis. C'était difficile d'atteindre le Io. Ils veulent pas rejouer contre. On peut les comprendre. Ouais. Aster qui enlève du puck en première phase, ça me. C'est vrai que c'est étonnant ça. Ouais. Titan, mais... je peux comprendre. C'est OG, c'est un gros. Ouais. Ils aiment bien jouer avec du Titan. Ils l'ont plusieurs postes. C'est un flex pick. Il y a au moins 3 joueurs qui peuvent le jouer. Le puck, c'est très particulier. Alors on va voir. C'est peut-être un. Oh, et OG qui banne Nikan. Il banne Nikan, ok. MK. Ah bah oui, du coup, on a laissé passer le MK. Et le MK qui est souvent ban, et bah ça y est, on a des games de MK qui arrivent. On vient de voir EG qui gagne avec. En carry. En carry, sur Artesi. Donc on va voir où est-ce que Aster le positionne. Et EG le joue aussi en P4 sur crit. Donc on va voir si. Borax, là, en PK, quand il s'appelait Boboka, il était très connu pour son, MK. TI8, le MK de Boboka. Maintenant, il s'appelle Borax, mais je suppose qu'il joue toujours aussi bien. Et du coup, on a annoncé les deux premiers picks côté OG, Tide, Klinks. Honnêtement, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Ils n'ont pas l'air de... Oh si, il peut peut-être y avoir des arnaques au niveau de la position du Tide. On a vu un Tide P5. Ouais, on a vu des originalités. Le Kling, ça peut être soit Semail, soit Thompson. De toute manière, il sera core, on s'en doute bien. Le Doom, c'est un peu fixe, la position. Le Doom mid a complètement disparu de la circulation. Je crois qu'il y a encore quelques équipes tier 2 CIS qui jouent, mais ils sont bien sûr pas à TI. Donc le Doom mid, à mon avis, c'est fini. Le Doom en support, ça n'existe plus. Donc c'est du Doom P3. Du coup, ça nous... Ouais. Le MK, il pourrait... bien être là pour accompagner le Doom en lane, je pense. Hein, J'ai l'impression que le Doom, avec l'arrivée des nouvelles Blink Dagger, notamment l'Arcane Blink, son objectif, c'est pas de rush l'XP, c'est plutôt d'avoir un gros bonus de gold et d'atteindre son stuff de rêve qui est genre Refresher, Arcane Blink, tout ce. Mais type. Il fait Midas quand même, ce Doom. Et le Midas, il Midas, le Midas aussi c'est pour quand même l'XP. Beaucoup XP. C'est beaucoup XP. Qui en fait, compense c'est les peut-être le fait d'être en offlane plutôt que d'être au mid. Mais il a besoin des deux, en fait. Il a besoin des deux. C'est très, très greedy, Doom. Ça a besoin d'XP et de gold. Mais c'est vrai qu'une fois que ça a ses items et son XP, le but, c'est d'être en avance. Ouais. Le Doom, il faut qu'il ait... C'est pas un offlaner classique. Il a besoin au moins d'avoir 5-6K gold de plus qu'un offlaner normal, généralement, pour faire son taf. Ok, Batrider, ban pour OG, et en face on a ban Clock et Invoker, le fameux Invoker Radiance, évidemment très connu, bien sûr. Invoker Radiance. Le Clock c'est un héros qui j'ai l'impression est très souvent ban, je pourrais vérifier après pour confirmer, mais je ne l'ai pas vu beaucoup dans les games pour le moment, mais il m'a l'air d'être régulièrement ban. Alors c'est plus du tout un offlaner, c'est un héros très support. Plutôt P5 d'ailleurs, mais quand il passe, il est pris en première phase, parce que c'est vrai que des fois en deuxième phase, il saute. Là, c'est quoi? C'est peut-être. Ça s'inscrit peut-être dans une dynamique plus. Ça fait chier le MK. Optimisé, voilà. C'est ce que j'avais dit. Sur le MK. Le flair pour donner la vision dans les arbres. Ça, c'est ce qui est, je dirais, un peu obvious en début de draft, mais il y a certainement de la part de Team Aster quelque chose d'un peu plus poussé pour la suite. Et le Storm qui est sorti, pareil, ça a l'air d'être très fort. Storm, ça gagne les games. Non, puis là, le Klinks, il aime pas se faire rentrer dedans par un Storm. Hein. C'est pareil, le ban Batrider, c'est un peu la même idée. C'est un héros qui peut aller chercher le Klinks avec un lasso. Bon, t'as pas vraiment envie de faire un Lincoln sur un Klinks, t'as envie de faire des items offensifs avec ce héros. Bon, t'es ok pour faire un BKB, mais il faut que ça s'arrête là, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait dans la game d'avant qu'on pourrait retrouver ici? Ça m'étonnerait qu'on ait du Ursa, ça m'étonnerait qu'on ait... ils ont ban Weaver. Ok, ça pourrait être encore une strat de Malus Armure, donc la Weaver pourrait rentrer dedans avec Tide et son Gush, oui, effectivement, le Kings qui peut faire du Malus Armure ça, aussi. Ouais, on a vu ça dès la première journée. Du coup, la Snapfire est disponible pour Roger s'ils veulent faire le Snap Tide. Qu'on voit en duo pas mal. On est dans le TI des duos. Hein. Beaucoup de duos. Pepsi vous en reparlera peut-être. Mais on joue sur des combos de héros. Ouais. J'espère qu'on trouvera le temps d'en parler. Parce que moi, je trouve ça intéressant. On peut juste teaser un peu là-dessus. Je voulais avoir une réflexion un peu poussée. Au lieu de vous donner les picks, je dirais, les plus populaires, peut-être essayer d'orienter ça vers les duos qu'on retrouve le plus dans Dota. Et on en a parlé juste avant avec OG et Morpher Shaker. Ça, c'est un duo extrêmement connu. Et moi, j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui se profilent de plus en plus.
dans TI. Bon, j'espère qu'on pourra en discuter un peu plus et surtout que ce sera que ce soit pertinent. On a ban Luna suivi d'un pic Rubik. Ok, alors qu'est-ce qu'il y a volé comme spell qui sont bon, le Doom, c'est sympa. Ouais. Bloodless Strike, est-ce que c'est Non, je pense que t'aimes surtout voler le Trident pour donner, ouais, la, vision, pour donner la vision. Pour okay. te prendre un... Cabra, c'est toujours bien de voler le stun du MK aussi. Oui, ça rajoute un peu de contrôle, mais par contre, c'est peut-être pas le plus impactant. Tu en as rien à foutre de voler l'ulti électro-rubi. Pourtant, qu'est-ce qu'on le voit souvent, celui-ci ? Ouais, bah tu le voles, tu le mets, puis t'as un peu d'armure dans l'ulti. Bon, celui-ci, sympa, mais... celui-ci on le voit quand même assez régulièrement. Parce que c'est le spell que le MK il te laisse, en fait. Non, mais là, le spell de rêve à voler, c'est le Doom. Vraiment, t'as envie de, d'avoir et le puis Doom. Tu leur dis non à certains petits... Peut-être pique qui pourrait arriver, je pense à Magnus. Je le vois pas souvent, mais le Devor, tu as pas envie de l'avoir aussi ? Ouais, c'est pas, pas très longtemps. C'est tu pas gardes un... pas très longtemps, non, ouais. Surtout, c'est un début de partie que tu le voles, puis après, bon, tu vas pas voler le Devor du Doom. Ok, donc on a un Tréant qui arrive, c'est un héros qu'on a un petit peu vu, mais pas trop pour l'instant. Du coup, ça va nous confirmer l'un. Ouais, je sais pas, parce que cette Lina pourrait être mid pour White. White Album, donc on sait pas où est ce MK, c'est encore flex. Hein. La Lina pourrait ouais, être support, c'est encore assez ouvert. Mais le MK pourrait être support ou les deux sont corps, on verra. J'ai pas l'impression qu'on ait vu beaucoup de Lina sup, honnêtement, dans le tournoi. C'est souvent, très souvent. On a l'impression que le nerf de la Lina juste avant-hier, c'était plus pour la Lina corps. Ouais. Et finalement, en fait, la Lina qui reste, c'est la Lina corps. Je sais pas, c'est sans doute lié aux items avec la Silver Edge qui est maintenant à la Crystallis, mais. Je suis d'accord avec toi, c'est assez étonnant. Je pensais qu'elle serait surtout orientée support et finalement pas du tout. J'ai l'impression que surtout les héros support un peu chips, ça marche pas trop. Quoi. Ah oui, on a vu avec ancienne apparition. Bon, ouais. Bon, c'est peut-être pour ça que la Lina en support est pas trop. Oh tiens, ah, c'est bah, le Beastmaster. Ok, du coup, dans le tile, il s'en va pour nos tiles là. Ah bah, ou Thompson au mid. Ou Thompson au mid, mais bon. Ah, il l'a fait la première journée. Ok, hein, mais d'accord. D'accord, ok. Ah, il l'a sorti la première journée, donc bon, pourquoi pas. Là, il a quand même deux héros, que ça soit. Enfin, surtout un, la Lina au mid, il a pas trop envie de jouer contre quand même. Non, alors je sais plus, mais je crois que c'était Lina hein, qu'il avait au mid, ou peut-être Queen of Pain, je sais plus, mais dans les deux cas, ça reste quand même des dominateurs. Cop, ça va. Cop, ça va. Tu peux dispel le Shadow Strike quand t'as pris trop de dégâts. Je crois que c'était Cop, effectivement. Ouais, il me semble que c'était ça. Cop, ça va. Contre... Effectivement, tu peux dispel. Contre Lina, bon, tu prends des dommages, quoi. Bah, faut jouer avec la régène. Est-ce qu'on a des idées pour la suite ? Après, le gush, c'est vrai que sur un corps avec un tide qui fait des... Donc, le build ouais. que Thompson aime bien, c'est vrai que ça bien pour le Kings. Quoi. Là, côté OG, on a une incertitude, c'est le tide. C'est voilà. Ça. Sinon, le reste, on sait, clean score, qu'il soit P1 ou P2, ça c'est clair. Saxa, il aura le rubis, qui n'y a pas d'incertitude. Seb, ça sera le Beastmaster. Et du côté Aster, l'incertitude, elle est double. C'est... Bon, même si je pense que la Lina est mid. Oh, mais c'est marrant. Alors, vas-y, je t'en prie, Guillaume. Mais peut-être que toi, tu peux faire une remarque sur le Nature's Prophet, parce qu'on a l'habitude de voir Seb partir sur Nature's Prophet. Ouais. Et là, ils l'ont ban. Alors, peut-être que Beastmaster, enfin, je sais pas, Teammaster. Ou alors, c'était un NP peut-être support, ou peut-être, je sais pas. C'est peut-être le NPP1 de Semaine. De Semaine ouais. Qu'ils enlèvent. Ok, why not? Dans ces cas-là, que le Kling aurait été mis pour Thompson et on aurait mis le Tide en P5. Ok. Et le Slark, dont on a parlé tout à l'heure, qui est très peu joué. Mais là, il est ban. Et là, il vient d'être ban. C'est bien contre Tide, généralement, Slark. Ouais. On peut se feed sur le Tide, donc c'est un ban que je comprends. Et ils enlèvent un Bane, donc c'est peut-être un ANP P5 en fait, qu'ils ont enlevé. Ouais, comme on avait vu Pupé en jouer un sur ce tournoi, ça n'avait pas trop bien fonctionné quand même. Donc, et on a retiré Spectre. Un héros qui close gap bien sur le Klinks, généralement la Spectre. C'est encore un ban pour protéger leur Klinks. Donc, on avait leur Klinks CP1. Un petit sniper là, OG là bah, le sniper il pourrait même être. Ouais, c'est dur de le sniper sur Aster là. Ouais, pourquoi pas, mais ça fait deux héros de backlane, je sais pas. Et le Tini est encore disponible. C'est vrai qu'il y avait encore le Tini. Oh bah, OG ils ont été cash. DK. Bon bah, c'est la fameuse carte qu'ils nous ont réservée. À Thompson mid au DK, ouais. Et c'est Nautel qui joue bien le Tide P5. Bon, alors honnêtement, je suis bluffé parce que je m'attendais pas du tout à avoir un DK mid. C'est Tini P1 pour monnaie. Et c'est bien Borax qui joue le MK P4 qui va accompagner XXX en offlane. L'ANEM va jouer le Tréant, ça c'est logique. Et White Album au mid. Du coup, bah, ils ont pris le DK pour jouer contre la Lina au mid, donc c'est ok, mais j'aime pas trop DK généralement. Ouais. Sur ce patch,
parce que c'est fait beaucoup d'air le DK quand même. Ouais. MK Match Slayer, on va vérifier ça ensemble. On va tout de suite se plonger dans la game avec Voja et l'honorable Dalai Lama. À vous, messieurs. Effectivement, on va pouvoir voir comment va se passer cette game numéro 2 avec les drafts où le Tiny a réussi à venir se glisser jusqu'au last pick et on lui a donné un petit DK en face comme last pick du côté OG. Toi, tu avais parlé de la spec qui a fini par être ban, etc. Tu m'avais call le tight P5 et moi j'étais plus en Thompson qui va le rejouer, mais t'as eu raison, le tight finit en position 5. T'as un des deux drafts que tu préfères, genre toi si tu devais jouer un des deux drafts, lequel tu jouerais? Peut-être le draft OG. Je crois que leurs lanes sont bien. Ils ont bien une lane. Ils ont un plan très clair. Ils ont 2-0 Beast et DK qui peut prendre retour très vite, très rapidement contre un Eurotrian. Ouais. Qui aime défendre ses tours. Donc. Ouais. Ok. La question est. Ah, ça, c'est toujours un peu le problème quand tu joues contre Trian, c'est quand tu viens attaquer une tour, il faut la finir. Il faut la finir, la tour. Si tu repars sans la finir, c'est comme si tu n'avais rien fait. Ouais. Mais avec un Killings, un Beast et un DK, normalement, ça ne sera pas trop bien. Oh, c'est vrai. Thompson, il a déjà pris son point d'un Prefer. Ok. Ok. Ah, et puis je est-ce disais qu'il ça alors. Toujours, est-ce que c'est un Misty? Non, je pense que ça paraît. Ok. Oh non, il y a des mecs. C'est vrai qu'il y a des mecs qui jouent stun. Ah ouais, mais contre un Lina, tu peux pas le stun pour dernier clip. Hein. Là, elle a 700 range. Ok, c'est fait. Je disais, c'est un peu anecdotique, mais ça peut avoir son impact aussi. On en parlait avant pendant le draft, toi et moi. Le délire du DK Rubik contre Tiny, où si t'arrives à mettre les deux, le Fate Bolt et le Breath Fire sur le Tiny en fight, t'as quand même un Tiny qui tape à moins 200, quoi. Ouais. T'as un talent en plus sur le DK pour augmenter la réduction. De dégâts, ouais. Augmenter la réduction du Breath Fire. Quand tu colles ça sur un Tiny. Ah, et aussi un Tide. Hein. Aussi un Tide. Ah, j'avoue, il y a le Tide en plus dans l'équation. Moins 140% de dégâts, quelque chose comme ça. Ouais. Tiny, s'il prend les 3, il tape en négatif, quoi. Mais il va acheter un Shadow Blade, il aura one shot. Ouais, et puis après, il activera BKB, tu pourras pas lui mettre les spells, et voilà. Mais j'aime beaucoup le draft OG. Oui. Beaucoup la manière de finir le tour, mettre des blessures sur le Tyrion. Alright. On vous rappelle qu'il y a 1-0 pour Aster dans cette rencontre, que du coup c'est l'occasion pour OG de redorer le blason. OG a fait un petit tweet en disant que ils étaient invaincus en série depuis, donc en résultat de BO, depuis genre un match d'ouverture contre, je crois, EG à TI8 ou un truc du style. Et que du coup ce serait peut-être la première série que OG perd depuis TI8 à TI. Okay. Ce qui serait assez stylé. Je vais aller chercher pendant qu'on regarde le début de game pour vous donner l'information de manière sûre, mais j'ai vu passer ce tweet et je me suis dit je vais en parler et maintenant j'ai oublié quoi. Donc voilà. Alright. J'ai jamais posé 2-0 des BO2. Il me semble que c'est un truc du style. Hein. Je vais chercher pour pas vous dire de bêtises. Anyway, petit tight position 5, c'est pas le héros avec la plus grande présence de ligne, mais c'est pas nul non plus. Mais contre un avec un cling, si tu fais du gauche, tu fais quelques tapes. C'est un bon lane. C'est ok. C'est pas mal contre un Doom qui a très peu de base armure. Donc ça, le gush. Maintenant. Il a 5 base armure. C'est vrai que Doom. Il a reçu plus 3 armures. Ouais, t'as raison. Il y a quelques patchs. C'est un vieux réflexe de boomer de Dota, tu sais, de penser que Doom ça a pas de base armure. Alors que c'est plus vrai du tout. Bon, je peux pas vous trouver le tweet, il y a pas de wifi ici. Je peux pas vous trouver le tweet. Tristesse. Alright. White Album qui se fait bien gratter par Thompson, mais un grand coup de feu dans sa tête. Rien de bien dramatique pour le moment. Il joue le mid bien contre Juna. Il est content avec son DK. Il a level 3, donc l'étape de Lina ne le dérange trop. Et c'est ça. Alors, avec un record actuel de 20 wins et 5 égalités, ils sont invaincus. Asie internationale depuis 2018 et la dernière en date était à T8 contre Evil Genesis en group stage. Ils n'ont pas perdu des matchs dans le group stage. Ouais. Allez. 60% ça. C'est stylé.
Stylé, stylé. Donc peut-être la première défaite de OG en Group Stage depuis 2018. Ouais, petit early game pour le moment assez calme. On s'est mis un peu sur la, on s'est mis un peu sur la mouille à droite à gauche, mais rien de méga belliqueux pour le moment. On connaît les travails de CMK P4 actuellement. Ils se pointent, ils essayent de trade un petit peu avec leur Orb of Venom, proc leur passif, mettre des coups de bambou. Mais c'est surtout de l'information qu'apporte les MKP4. En haut, il y a un peu de trade un peu plus important quand même avec le triangle qui va se faire télékinésis back, mais on n'a pas envie d'aller jouer dans les ronces de la part de Seb. Oh. Et quelque chose d'intéressant avec Triangle, est-ce que dans les arts, il reçoit plus de 40% de régène. Donc si tu le salves dans les armes, ouais. Tu reçois... Eh ben je savais pas ça. Combien? Je savais 60. Pas. 60 000 Ouais, donc quand tu te salves, ou quand tu te tango, il faut courir dans les arbres quoi. Ok, intéressant. Intéressant. Oh, il est un peu sous pression en bas. On a vu qu'il y avait des builds différents sur les triants. C'est White Man hier qui nous a fait un triant Max Leech Seed. Je sais qu'il y a un peu toutes les écoles. Il y a les mecs qui Max Leech Seed, il y a les mecs qui Max les ronces, il y a les mecs qui Max le Living Armor. Si tu peux jouer très agressivement dans les, tu aimes beaucoup Leech Seed. Mais contre un Rubik et un Beast, avec une Tiny avec deux Ormelets, je crois pas qu'ils vont. Il a déjà deux points de Living Armor. Le mettre sur son fini, qui normalement pas de beaucoup d'armure. Il est peut-être mort là d'ailleurs, avec les petits cochons qui lui grattent les fesses. Il va lâcher les ronces, alors le first blood sera pas de ce côté, mais il y aura effectivement un kill par ici. Puisque l'anem va tomber, le first blood sera en faveur de Borax sur No Tail avec son Tidehunter. Ah ouais, Borax c'est de la trouille. Ok. Très bien. Borax qui... C'était quel passif ouais. Allez hop, petit coup là. Maintien en respect. Radiant structures are fortified. Mais bon. Contrairement, tu maxes différemment dans ce game. Au contraire, ça sera difficile de défendre les tours contre des qu'un beast. Ouais. Et du coup, Thompson qui avait l'air d'avoir un petit peu l'avantage sur les premiers levels avec son DK, pour là, se faire passer devant en termes de last hit par la Lina et subir un peu plus la pression, c'est logique. Hein. DK, c'est pas le genre de héros qui perd mid. Non. Beaucoup de match-up, mais c'est assez rare qu'il gagne beaucoup aussi. C'est un héros qui fait un peu un statu quo généralement. Ouais. Oh bah d'un nouveau kill sur l'hôtel, excusez-moi, ouais, c'est moi qui était distrait par par mon retour à moi et qui n'ai pas vu l'hôtel tomber sous les coups de Borax. Ouais. Et en haut on va agresser un petit peu monnaie. Quand même les cochons qui sont bien split, donc pas possible d'avalanche pour toucher les deux en même temps. Il n'arrivera pas au bout du kill à cause de la Living Armor, mais... Et la faible médaillon, premier item. Ouais. Il veut jouer l'agression. On n'est pas sur un Dominator First, hein, ça l'intéresse pas. Ah ouais, vu qu'il est un Doom peut-être. Ah bah on parle de ce Doom. Il a été tué mais il a l'autre bout du monde. Ah ce bot là, c'est trop bien pour Astara. Hein. Yep. Le Doom, Vamidas, il a... Il est premier CS. Mais regarde son network maintenant. Il a, j'avoue, le network c'est déjà tellement violent. On regarde rarement les networks aussitôt. Mais il a déjà mis plus de 700 gold d'avance sur le deuxième. Quoi. Ouais. Ouais, ça va être un gros Doom. Un très gros Doom. Ouais. Il y a un gang qui se prépare autour du mid. J'ai l'impression, du moins, beaucoup de monde pour couvrir cette rune des 6. Bon, on va y aller. Thompson en S qui va toucher la casserole. On ramène Sumel qui fait la rotation jusqu'ici avec le Burning Barrage. Il n'est pas encore fini ce kill. Vous avez dépensé tellement de monde. Il faut le finir ce kill, je pense. Et il faut faire attention à ne pas lâcher de contre-kill. Il va aller au bout. Thompson, il tente. On bodyblock un peu. La Lina qui lâche la Laguna Blade. Du coup, ça fait peur à Thompson. Le coup de bambou. On connecte pas. Le Primal Spring, la haste va suffire pour qu'il sorte de la OE. Alors on force de la réaction côté Acer, mais j'ai quand même 3 mecs sur place pour pas faire le kill. Ouais, ce mec ils doivent jungler maintenant. Déjà parti de la lane. Oh, un Doom à bot. Et bot une fois de plus. XS, il a pris son Doom, et là, kill gratuit. XS, il est là, c'est mon monde en bas. C'est chez moi, juste cassez-vous d'ici. Quoi. Il va laisser personne jouer sur cette bot lane. Ouais. Mais on n'est pas Doom, donc Thompson qui arrive, qui dit « Moi, je peux rester bot pour le moment. » Ok. Seb, lui, va créer sa propre petite zone en haut aussi, son petit No Man's Land. Alors, quand vous ne faites pas de rush Dominator, ça arrive un peu moins vite. Là, on se rappelle du BM, par exemple, de la game précédente. Il avait son Dominator et son crit avant le level 6. Là, ça va être un peu ralenti. On va perdre ça, par contre, ici, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais vu qu'il joue contre un Doom... C'est possible qu'il ne veut pas acheter le Dominator parce que le Doom peut être
Ouais. Il peut bouffer le creep de Beast. Hein. Bon. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pour le moment, il avait quand même un... Ah non, il avait le Vlad en Quickboy, pardon, pas le... Il achètera un Solar Crest. Très bien. Donc ok, peut-être un skip complet du Dominator. Impossible. Peut-être. Allez, on avait quand même fait des stacks à ce mail. Ah ouais. Qui va pouvoir se faire plaisir avec son Burning Barrage. Alors avant le Maelstrom, c'est avant pas Maelstrom, ultra c'est... rapide. Hein. Ouais. T'as besoin d'encore deux Burning Barrage pour finir tout ça. Hein. Mais 3 je crois. Mais il a 3 points donc normalement. Finalement, c'est machin. Ouais, encore un petit et tu finis à la main le reste. Il va même pas finir les gros pour le moment, il va attendre son level 6 pour venir avec un peu plus de dégâts peut-être. On a vu qu'il y avait quand même le MK pas loin. Hein. Le MK c'est les spécialistes, on le voit sur la minimap juste en dessous du Klings. C'est les spécialistes pour venir emmerder les gens qui font les stacks, les MK. Ouais. MK et Bounty Hunter c'est les rois du monde pour faire ça. Oh, bah on est au courant qu'il est là. Est-ce qu'on peut le tuer pour autant? On est en train de TP quelqu'un, on TP le Rubik. Ouais, il est pas bien, Borax. Il va stacker son passif. Est-ce qu'il peut dans le camp? Ouais, il va se remettre quasiment full HP là-dessus. Est-ce qu'il... Non, il faut pas qu'il tue Sumed. Non, il faut pas qu'il tue Sumed. Non, 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 non. Oh. C'était... Mais c'était quand même, 4 héros de... 5 héros de gêne. Ouais. Pour protéger ce stack. Ouais. Pour Borax. Pour protéger ton pauvre petit Klings level 5 qui était dans la merde, quoi. Ouais. Quand t'as jeté, pas trop content. Hein. Avantage de 2 ok. Presque 2000 or à Astra. Ouais. Bon début de partie pour eux. Ouais, l'album qui met beaucoup de pression sur les métaux. Après, ils ont vu. Il y a 5 euros. Ok, OG, ils vont prendre ce top tour. Ouais. Ouais, avec le Beast et qu'un. C'est pour prendre les tours. La NEM, il est là pour ralentir un peu l'histoire en mettant des ronces et des Living Armor, mais il sait qu'à terme, ça paraît difficile de la défendre. Quand même, le tour de mise, l'OG est presque mort. Hein. Ouais. C'est pas Ouais, ils vont la finir, ils vont commit. Très ils vont génial. La finir. Et Monet, lui aussi, est pas très bien dans la game, un peu comme le Klings, hein. Il souffre un petit peu avec son Tiny, il est pas forcément dans une bonne situation. Ouais. Lui va faire la rotation en bas, rejoindre XXS. Les deux carry doivent qu'ils jouent de catch-up. Mais normalement, les deux auraient beaucoup d'espace, je crois. Ouais, Mona il va se faire un petit last hit de tour là. Ouais. Allez hop. Et les Doom qui a fini son Midas. Lui il va pas s'arrêter en termes de gold. Hein. Dans 3 minutes il y aura PKB, quelque chose comme ça. Hein. Et moi dans mon pays il y a des bons endroits pour aller mettre quand on a autant d'argent. Hein. Chez moi en Suisse, on sait où le poser quand on a autant de thunes. Hein. Pas de problème, mec, j'ai des adresses. Parfait. La Nemo qui continue à garder un œil sur Thompson. Alors, un peu à l'image de la game d'avant où on a parlé beaucoup du Beastmaster qui s'installait dans les bois adverses, et ben là, on va avoir le même cas de figure en faveur de OG cette fois-ci. Seb maintenant peut s'installer dans la jungle adverse. On voit que les wards de OG sont très très dirigés dans la jungle de Team Master aussi. On sécurise cette zone, on la lock et on en prend le contrôle. Monet lui essaye d'évoluer dans la jungle de OG en attendant, mais c'est pas avec la même sécurité parce qu'il y a passé Oak en permanence, il y a passé Ward posé. OG veut la tour mid, le Doom est là. Il voudrait bien Midas la catapulte, mais on veut pas le laisser. Du coup, il craque et il Midas un creep. On fait tomber le MK. Ouais, il n'y a pas beaucoup de follow-up derrière ça, c'est juste pour le faire tomber pour le principe. Est-ce qu'on le doom ce monsieur? On hésite, on sait pas trop. Allez, un petit Ravage qui est posé de bien loin juste pour permettre à Thompson de reculer. Okay. Quand t'es un tight P5, tu peux les utiliser comme ça, tes Ravage, y a pas de problème. Ouais, bien joué par Axis pour pas utiliser le doom. La bête le Ravage maintenant. Est-ce qu'ils vont encore pousser le tour Roger, son Ravage? Non. Ok. Et ça, comme on le disait tout à l'heure, entamer une tour face à Tréant. Ça sert à rien. Hein. Mais la vision d'OG, dont... bon, on avait un ward, mais quand même, il y a beaucoup de la vision dans les jungles de Aster. Cette tour mid, dans 2 minutes, elle est full HP. Hein. Mais ah, OG, il fait un smoke à bot, en vrai. Bon. Ah, t'as raison. Quelque chose. Avec CB Saxa. Les décors, là, de Aster. La Lina, elle se montre. Ouais. La Lina, elle se fait crier dessus, elle se fait crier dessus. Ok, elle est morte, cette Lina. Bon kill, elle vaut beaucoup d'XP. Elle est haut level. C'est un peu bizarre d'Aster de voir les deux corps dans le même lane. Si proches ensemble, mais quand même le clean peut former. Donc. On veut vraiment défendre cette tour mid pour pouvoir la heal de la part de Aster. Bah, tu veux pas contre un DK, un Beast. OG, ils roulent ensemble avec 4 héros. Hein.
Il laisse Sumail farmer et ils vont ensemble. D'ailleurs, Sumail, il y a le Doom qui s'approche de lui sur la minimap. Est-ce qu'il a de la dust? Il a pas de la dust. Il espérait pouvoir le surprendre. Il ne l'aura pas surpris. Le Doom aura PKB dans une ou deux minutes. Ça sera un gros timing pour eux. Le BKB de Lina aussi, mais il est encore trop loin de son BKB. Dagger qui intervient, c'est celle du DK je suppose. J'ai qui a farmé le triangle d'Aster. Et sur cette dagger DK, est-ce qu'on smoke? On peut peut-être. On se la ramener. Bon, ils ont 4 euros, on peut peut-être ils vont faire. Bah, d'abord, faut pousser le botlane. Ouais. Sur le plan de OG, là, il est. Pour le moment, on va dire qu'il est assez mathématique. C'est, on va jouer beaucoup à 4 et puis essayer de clean les tours une par une. Toujours en venant à 4, je pense. Non. Ouais. C'est clean, c'est un game clean par OG pour le moment. Et on va essayer d'y aller très haut. De manière très automatique. Bon, un bâtiment, on y va, on le casse. Ok, la dagger DK, elle sera révélée défensivement. Puisqu'il a du blink out de peur de monnaie. Mais en haut, on a trouvé ce mail. On est en train de le backup. Mais est-ce que ça arrive à temps? Le Ravage touche de justesse. Ok. Ah, okay. Ce Ravage va sauver. Belle Ravage par l'antenne. De nouveau, c'est 5 mecs de OG pour venir défendre le Klings. Hein. Ok, mais ils ont trouvé les kills, ils ont défendu. Et maintenant. Ah, peut-être Roche en ça plus. Ça veut dire Roche, peut-être. Ouais. Avec le Solar Crest, avec le DK pour tanker. C'est pas impossible. Il y a un coursier oublié en bas, vous voyez. Poc. Coursier de Seb. Je crois que c'était le Vlad en plus, c'est embêtant. Mais... Et. Numériquement, la star sont encore dans le... ils ont la lead, mais tout ce lead c'est sur ta Doom. Hein. Ouais, c'est vrai. Le Doom il est très fat et elle a fini son BKB, mais je crois pas qu'il peut faire grand chose dans les raids. Je crois qu'il a aussi besoin de Blink et Shiva peut-être pour vraiment gagner les fights. Parce que qu'est-ce que tu veux Doom? Les Klings peut-être. Tu fais pas vraiment un Doom en P5 Tide, hein? Non, le Tide, bon, bah, si tu peux, c'est cool, mais bon, c'est un Tide P5, on va pas se mentir. Ouais. Le Beast, ça peut être sympa. Après, il faut le choper avant qu'il arrive à Roar quelqu'un. Ouais. S'il arrive à Roar, c'est dommage, mais le Beast, c'est cool. Ouais. Sinon. Probablement les Klings. Mais c'est pas trop simple, ça. Et on a vu White Album avec sa Lina qui nous avait start sur des travers. Il est pas trop formé, hein. Non, il est encore à mi-chemin de sa BKB, on va dire, à peu près. On va smoke tout de même. Et on va essayer de se positionner en haut. On sait qu'on lutte contre un Aegis. L'Aegis qui a été posé d'ailleurs sur le Mais Dragon Knight. Mais ils ont le BKB de Doom. Ouais. Et il n'y a pas de Ravage. Est-ce qu'ils ont très chaud? Oh, le DK qui trouve la casserole en premier. En premier, malgré l'avantage que pouvait avoir Aster. On va essayer de tuer le DK. On vous rappelle qu'il a l'Aegis. Donc même s'il venait à mourir une fois, eh ben, il y a une deuxième vie à aller chercher. Est-ce qu'on le Doom sur la deuxième vie? Non, on essaie de reculer de la part de Aster, j'ai l'impression. On traite la ligne contre l'Aegis. Bien joué par Thompson. Ouais. Et c'est moi, je l'ai juste. Je peux jouer très agressivement. J'ai qui disent ok, pas de néant. On prend le tour. Mais le Doom. Mais quand même là. Hein. Il a encore le Doom et BKB. Ouais, on a quand même. Faut faire gaffe, on trouve une hôtel. Ok, on tente d'y aller. On tente de lâcher ce ring game K. On a lâché l'ulti triant aussi pour essayer de bloquer Topsol. On vous rappelle qu'il n'a plus l'Aegis cette fois-ci. Il faut le maintenir en combat. Il est maintenu en combat pour le moment. Est-ce qu'on peut l'empêcher de blink out? Oui, une Infernal Blade. Il devrait tomber, quoique avec ce magnifique Breathfire, il va beaucoup tonker de l'Aegis supplémentaire. Il va quand même finir par tomber sur le feu de XXS. Mais XXS va peut-être laisser sa peau. Il est forcé de BKB un peu défensivement. Est-ce qu'il s'en sort? Il y a une auto-attaque de Kosho encore. Non, ça ne suffira pas. Notez, il est tombé sous les coups de la Lina. Borax va finir par mourir. Récupéré par Saxa, ça ressemble à un bon fight pour Aster. Ouais. Ouais. Finalement, ouais. Oh, peut-être une deuxième vague sur ce fight d'ailleurs. Ils ont pas peur, White Album et Monet. Ils reviennent avec les deux corps et ils vont aller piéger Seb qui se sentait beaucoup trop confiant là-dessus. Il a dû juste mal estimer. Il s'est dit ok, ils ont back, j'ai le temps, je peux encore faire cette vague et je recule après. Pas du tout. Ils étaient encore dans le coin. Ouais. J'ai. Il est un petit peu out of position. Ah, et ce Doom qui a pas eu besoin de Doom qui que ce soit finalement dans cette fight. Non, pas nécessaire. Il a pas mouru. Hein. Le Doom a pas mouru. Ouais. Bon, est-ce que tu trouves White Album? Tu veux trouver White Album? White Album encore, il se fait catch. C'est pas où ça? Non. Ça sent un BKB beaucoup trop tard.
tu as Lina, un Euromid qui farm la plus vite. Il y a 5 qui, à mon avis. Ouais. Ouais, il y a du retard sur cette Lina, ouais. Allez, le Doom, lui, il a acheté une dagger. Il a pas un très bon grip pour aller avec sa dagger, il a le clap. Le clap, moi, un peu d'axe pif, de nuke, c'est pas mal. Tu veux vraiment à son tour une fois que t'as une dagger? Ouais, c'est trop. Oh. Allez, il vaut le Doom cette fois-ci, le DK. Il y a un Ravage de la part de l'hôtel, il va pouvoir le lâcher. Il a pas tapé la BKB. Ouais, c'est peut-être quand même. Ouais, c'est un Ravage qui était très défensif mais qui ne suffira pas à sauver qui que ce soit, j'ai l'impression. Le DK est mort, je pense que l'hôtel tombera aussi. Maintenant, est-ce que Tumel peut faire quelque chose? Oh, le ring de Borax, beaucoup trop optimiste. Beaucoup, beaucoup trop. Ouais. Petit singe. Transformé en nourriture pour Kling. La grenade lancée sur la Nem. Pour essayer de le rattraper. Monet qui attend, Monet qui cherche s'il a une possibilité de contre-engager là-dessus. Oh, oh, attention à toi, Monet. C'est belle ronce, ça. Ça va se faire absolument tout le monde. Le cochon y compris. On va être l'album qui trouve Sumail. On va le Laguna Blend directement. On devrait pouvoir le finir, ce Klings. C'est un enchaînement de mecs légèrement hors de position. Depuis tout à l'heure, tous les kills qu'il y a dans cette zone-là, c'est des mecs légèrement hors de position. Ouais. C'est game, c'est trop messy maintenant. Ouais, ouais. C'est... très très. Tu disais dans la game numéro 1, on voulait de la part de OG. Bon, dans cette game là, c'est valable pour Aster aussi. Mais il y a beaucoup de. Juste de, d'impureté, tu vois. Ouais. C'est, et c'est pas beaucoup, hein, mais c'est juste, c'est un peu sale. Beaucoup des erreurs de les deux équipes. De la joueur individuel. Mais finalement, c'est Aster qui a un petit peu d'espace. Ils ont défendu leur tir 2. Ils sont très contents maintenant. Ouais. Lina qui a fini son BKB. Et les full HP, la tier 2, ah, merci. Et un gros beau aussi pour le Lina. Ouais, c'est bien ça. Tu prends ça. Gros beau également sur le Klings. Quand lui, vous le voyez, lui, il part sur ce qu'on connaît maintenant, les items build classiques de Klings. Hein. Maelstrom, Dragonlance, Skadi. Ouais. Et c'est là qu'on. C'est après le Skadi, généralement, qu'on a un peu de diversité. C'est. La première question, c'est est-ce que j'ai besoin de BKB? Ensuite, c'est est-ce que je veux faire Gleipnir? Ensuite, c'est est-ce que je veux faire du crit? Ouais. Ou double Daedalus, comme le premier game de jeu. Exactement. Donc, la seule diversité dans les Bulkling, c'est un peu après le trio d'items initial. Okay. Il y a une shard en Quick Bipo sur Screens, d'ailleurs, après, qui est un bon item aussi. Qu'on voit régulièrement. Cette shard, c'est trop fort. Et notre. Ok. Allez, 5 à gold d'avance pour Aster. On le disait tout à l'heure, c'était beaucoup le Doom. C'est toujours beaucoup le Doom, mais Monet est très 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 bien remonté. Monet Wars également, qui se met en bonne position. Donc Lina, tu l'as dit, elle est un peu en retard par rapport à ce qu'elle devrait être, mais elle reste, par rapport à la game, elle est bien. Par rapport à ce qu'elle devrait être, elle est un peu en dessous. Mais, par rapport à la game, c'est ok. Exactement. Aussi, Lina qui a fini son Silver Edge. Gros item. Oh ouais. Ça casse un... Le Kraken Shell, ça casse le Dragon's Blood. Ça va être important. Ça fera mal s'il peut taper quelque chose avec ses Rage. Alright. Allez, insertion de la part de OG en smoke. Qui hésite à monter cette colline. Pas la monter finalement. Ou du moins attendre des renforts. C'est top ça, première ligne qui montera. On trouvera personne tout de suite. Aster va peut-être esquiver de justesse cette smoke. Ok. Ouais. Okay. Ça va être. Okay, bien joué par Aster. Oh, est-ce qu'ils vont trouver Sumail? Ouais. Est-ce qu'ils vont trouver Sumail? Il veut dire, ils se moquent à leur tour et eux, ils peuvent peut-être tomber sur le jackpot. Oh, c'est le jackpot, ça. Ouais. Ça, c'est le jackpot. Oh, de la révèle, c'est bon. Oh, le Doom. Par contre, il va vite. Hein. Le Doom, c'est bon. Je sais pas si le Doom sera nécessaire, mais bon. Ouais. Tu veux pas louper l'équipe sur le... Je comprends le Doom, mais bon. Ouais, c'est le jackpot, exactement. Yep. Et tu peux défendre le tir de top. Tu veux prendre le... de bot aussi. Ou maintenant, les games pour G, c'est pas facile. Hein. Ah ouais. On est nous dans une position un peu plus compliquée. Oh, est-ce qu'ils ont attrapé le Rubik des arbres? Non, c'est bon. C'est toujours marrant quand t'as MK et Rubik comme ça, puis ils se courent après dans les arbres. T'es là avec le Ravage, sans Klings. Il va falloir décider soit mourir, soit Ravage. Non, c'est bon, force staff. Tranquille. Récupère le Klings dans 8 secondes. Vous enlevez la vision d'Asta. C'est bien, c'est jouer un peu
un peu au bluff un peu de la part de OG là, mm-hmm. ce TP du Tide, en fait tout le monde n'est pas encore sur place, mais finalement c'est important parce que ça leur permet de gagner quoi, 3-4 secondes, et si on regarde les PV de la T2 en bas, en fait tu donnais 3 secondes en plus à Aster, il n'y avait plus de T2 en bas. Donc, C'est bien joué par Notel. Jouer un peu au bluff et... Ouais, aux limites aussi. Parfois on a l'air d'un con quand on essaie de jouer au bluff, parce qu'on meurt. Mais parfois ça fonctionne. Shiva sur le Doom qui est hashtag. Smoke. On a pas un smoke. Smoke de Aster. Oh, il va connecter directement. Hobson, le Silver Edge. C'est avec la Silver Edge, tu l'as dit tout à l'heure. Pas de Dragon Ball Pulse dernier. Est-ce que la Final Blade suffit à le tuer? Je pense qu'il va brûler jusqu'à la mort. Oui, pas de Ravage de la part de Notail pour le moment. Pas lâché. On voit qu'il y a des BKB en face. On a envie d'essayer de l'économiser, mais on perd déjà Seb et Thompson, un peu les deux frontliners de l'équation. C'est donc la retraite qui est sonnée du côté OG. On conserve les CD. Si ce n'est l'Aurore, quand on sera en vie, on aura tous les CD importants. Mais pour le moment, cette première phase de fight aussi. Est clairement. Se fait calme. Ouais. On a réussi à catch le Tide en bas. Il est content maintenant. Ouais. Son Silver Edge a bien payé déjà. Oh oui. Ce miel qui reste. Est-ce qu'il veut faire quelque chose? Ce petit kill supplémentaire de trouver sur le Tide, il fait du bien. Ils vont trouver le Saxa en haut. Ils vont trouver le Saxa aussi. Allez. Tu n'es pas safe dans tes arbres, monsieur. Aster qui vraiment prend la contrôle dans cette game. Ah ouais, ouais, ouais. Là, tout à l'heure, on disait, ok, ils commencent à prendre les devants. Ils avaient 4-5 kgold d'avance. Et puis là, on sort de une phase de jeu à leur avantage, plus une fight à leur avantage. Tout d'un coup, il y a 11 kgold, 11 k d'XP d'avance. Le break commence à être fait en faveur d'Aster. Alors, c'est pas synonyme de fin de game, mais c'est une très belle option de prise sur la victoire. Seb qui se remet en place, accompagné par Sumail. On va essayer de sniper la NEM, mais c'était une erreur d'appréciation de la part de Sumail peut-être. Est-ce qu'il arrive à reback? Oui, il arrive à reback, il n'y a personne pour le slow, il est beaucoup trop rapide. Par contre, Monet, il va pouvoir connecter sur l'hôtel qui aura de nouveau pas l'occasion d'utiliser son Ravage avant de mourir. Thompson en Dragon Form, Sumail est bien positionné sur le high ground. Du coup, Aster n'a pas envie d'aller lutter contre cette position avantageuse en faveur de OG. Recule tranquillement. Moi, mais XXS, il a tenu son double encore. Même cette BKB. Il a le Shiva. Son Shiva contre les îles de Dekin, région de Dekin. Ouais. Ça fait beaucoup de taf. Ça va aussi nullifier la quasi-totalité de l'Inner Beast du Beastmaster. Avec le slow de 7-0. Si t'es Doom et tu te meurs pas, tu deviens fat. Parce que toujours. Parce que le bonus gold de voir, si tu meurs, tu perds cette gold. Quand tu as bouffé un creep. Ah, et puis il a pas mouru de nom. Puis en plus, comme le spell a beaucoup de CD, parfois tu meurs, tu reviens et, ouais. et en fait, triste, ton spell mais se perd. Mais il a mouru aucune fois. Donc. Ouais. C'est pour ça qu'il a, ouais, il a devant 3000 gold. Tellement riche. Tellement riche. Allez, une petite dagger sur Seb, ça peut donner des options à OG. Mais de nouveau, l'avenir paraît sombre et compliqué. Pour notre squad Radiant. Ouais. Ouais. Il a Solar, Vladimir, Drun. Donc il peut. C'est beaucoup de stéroïdes pour son Klings, mais son Klings n'est pas trop fort non plus. Il n'y a même pas l'escalier. Ouais, mais ils savent, ils doivent que tu comptes sur Roche. OG ont vraiment besoin de ce Roche. Si tu perds ce Roche, tu perds la game. Donc même si Klings n'a pas déjà son escalier, ils vont faire un dernier team fight, je crois. Allez, Monet. En exploration. Allez, boum, ça c'est un oiseau, bon. Il dégage XXS qui trouve l'engage sur Saxa, c'est pas l'idéal, mais ça va suffire, est-ce que l'autre il peut lever les bras, il lève les bras, il touche un joli ravage sur pas mal de monde, mais le premier mort va être Saxa, ceci dit, XXS est mort, et XXS on sait oh, combien il est important, il a toujours son Doom en plus. Il a encore buyback, c'est un buyback qui coûte cher. Hein. Ouais, c'est un buyback que celui-là, t'as pas trop envie de le faire, mais il faut peut-être que tu le fasses. Allez, attention, Otini, il va buyback du coup XXS et il va essayer de rejoindre la fight. On va essayer de maintenir Monet en vie, pour le moment, il n'y a pas de problème. On inquiète en plus Thompson, il y a un très très bel ulti tréant qui a été posé. Le MK qui essaie de maintenir tout le monde dans la zone également. XXS a pu rejoindre la fight, il arrive, il est là et il connecte sur Seb. Il a toujours son Doom à utiliser, on le toss. BKB d'utiliser de la part de XXS. Le contrôle du pit est pris, ça devrait être Roshan pour Aster. Ça coûte le buyback du Doom, mais c'est Roshan pour Aster. Baby Doom, c'est cher ça, mais encore. Deuxième roche pour continuer. Ouais. C'est le shard c'est aussi. C'est la shard gratuite, ouais. Qui a pris le shard Je sais pas si le Tini l'avait déjà. Ah, elle est toujours sur le MK pour le moment. MK le shard pour le moment. Il donne à Doom. Ok. Okay. C'est un Infernal Blade qui stun plus longtemps, c'est ça Bien, c'est ça. Et qui fait plein de dégâts en plus. Bon shard.
tu l'as déjà acheté. Ok, ok. Mais avantage de 16 000 gold. Ouais, c'est vous dire à quel point cette phase de jeu en fait est avantageuse. On en parlait juste avant, on disait ils avaient 11-12k d'avance. Là, il y a un fight qui se crée. Oui, ça te coûte un buyback Doom, mais toute cette fight et toute cette prise de rush les projette encore 3-4k gold plus loin. Donc Aster continue à faire fructifier, à faire fonctionner son avantage. Aster continue à être devant. Et OG, on sent qu'on arrive un peu à court d'options quand même, petit à petit. Il faut 30 le ravage. Ils ont beaucoup de Zinéchamps. Ils ont Blink Roar, ils ont Blink Targon Tail, ils ont Ravage, donc ils peuvent gagner Teamfight. Si l'exécution est parfaite, c'est possible, mais ce ne sera pas simple. Tu as aussi un problème, c'est que ces héros qui sont censés tanker naturellement, comme le DK ou même le Beastmaster un petit peu, en fait, dès que tu tombes derrière dans une game, bah, en fait, toute cette optique du héros de « je suis censé tanker », elle n'existe plus. On va pouvoir catch quelqu'un en haut, j'ai l'impression. Okay. Ouais, c'est Sumail en plus, c'est important. Notel, bon, Notel il va tomber, il va se faire découper par la Lina, il n'y a pas de souci. Mais Sumail, qu'est-ce qu'il en est de lui? Est-ce qu'on trouve ce stun au feeling de la part de White Album? Non, okay. Juste pas. Okay. Si tu meurs comme ça sur Killings, c'est presque la game. Hein. Ah ouais. Mais bon. En plus, il avait Force Buy sans Skadi, donc pas de buyback dans la poche pour lui. Ouais. Le timing de Skadi est un peu triste avant le rush, donc un Kling sans son Skadi. C'est pas un Kling qui veut vraiment combattre, mais bon. Il a dû. Ils ont perdu la fight. Il va Kling tenter, il a pas les gars sur la lame, il pousse la lane. Bon, Brax. Ouais. Oh, il chasse pas, ok. Il a raison. Il mourra s'il chasse rien de le Kling là. Allez. Ok, le Kini qui tape. Ouais, les il bâtiments. Bien gros, bien gras, il n'y a pas de problème, les bâtiments. C'est ses copains au Tini. C'est ses copains les cailloux, du coup il les mange. Fortif de forcer. OG pour le moment qui se met pas en place, on voit sur la minimap qu'ils sont encore à droite, en train de faire un peu de split. On se mettra en place probablement une fois qu'on aura au moins pris cette tour en bas, c'est le cas. Mais le Fate Bolt et le, enfin, le combo que dont tu as parlé. C'est dur de venir mettre l'encore smash. Hein. C'est moins 300 de dégâts presque. Ouais. Encore smash sera dur. Ouais. Bon, mais quand même. Ils ont défendu leur baraque pour le moment. Alors, est-ce qu'on petite recule victoire pour Roger. Est-ce qu'on recule pour ce heal ou est-ce qu'on recule vraiment? Non, on recule vraiment. D'accord. Donc au final, ils ont perdu une T3 et ils ont pris une T1 et presque une T2 en attendant. Donc ça va. Ça va. C'est ok. Ouais, mais elle est très bon. Ah oui, c'est vrai que la T2. La T2, elle va être full. Et qu'il aura mis des petites armures. Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait avec ces armures-là? Tini. Il les met sur les copains. Ouais. Ton Tini, maintenant, il a 46 armures. Avec le Solar Crest. On a trouvé Sumail de la part du Doom XS qui fait vraiment une game impeccable pour le moment et qui va aller chercher, lui, tout seul, l'opposition à adverse. Et peut-être, ce qui va pouvoir permettre à Aster. Peut-être de clôturer cette game si on est optimiste, mais au moins de repartir sur une vraie phase offensive. À l'état T du bâtiment, à l'état T de l'objectif. Allez, BKB quand même de fini pour Thompson. Ça donne un petit peu d'espoir, ça permet de respirer un peu. Ça dit que la défense, on peut peut-être la jouer. Ouais, il va aller essayer d'embêter un petit peu le MK mid. Mais bon, Aster va aller faire knock-knock à la porte en bas. Star va aller voir ce qui se passe. On essaie de mettre Monet un peu hors de position, un coup de force à offensif. Permet d'aller connecter cette casserole. On veut essayer de tomber cette Aegis ou de l'inquiéter, mais de manière un peu gratuite. Il y a encore 30 secondes avec l'Aegis, hein. C'est pas trop de temps. Donc je crois qu'OG ils peuvent défendre. Là. Petit spray. I'm coming for you. Mais il back. Ok, d'accord. Alors cette mort du Kling va au final rien leur coûter. Ah, OG. Fais gaffe. OG lent, ok. Il enlève la vision d'Ogé là, donc pas de soucis. J'aime bien cette Lincoln en préparation sur White Album qu'on vient de montrer. On va peut-être suivre cette smoke de la part de Ogé qui cherche à aller chasser les retardataires sur le dépop de la Aegis. Trouvera rien. Lincoln contre l'Aurore et le Dragon Tail. Ouais, c'est bien. Au il a Albert sur le Redak, mais quand même contre l'Aegis aussi très fort. Parce que White Album c'est le Tini et les Dooms, c'est presque impossible de le burst. Hein. Doom il a. Il a
35 d'armure, Tini il a 40 d'armure. Lina il a juste 13. Ouais, c'est ça. Et la Lina, si on réfléchit, qu'est-ce que c'est ces dangers dans la game là? Si tu l'as dit, le Roar et la Dragon Tail. Et ça, ça va être les deux bloqués par la Linken. Ou la télékinésis, et c'est aussi bloqué par la Linken. Mm-hmm. Et le dernier danger qu'elle a, c'est bon, si elle se fait casser sa Linken par un Fate Bolt, d'accord, ça peut arriver. Ou c'est le Ravage. Mais ça, c'est, il a la BKB pour aller jouer contre le Ravage. Ouais. Donc ça devrait aller. Du coup, j'aime vraiment bien cette Linken. Et en plus, elle peut être posée. On a vu qu'ils essayaient, lorsque Aster essaye de monter le high ground, OG essaye de beaucoup les ronger à coups de petits spells. Tu peux aussi la mettre sur ton petit Tini dans ces situations-là. Non. Cette Fate Bolt de Tini, quand tu pousses la ronde, c'est... Ah, mais non, il a Satanic Oxy, donc il peut dispel le Fate Bolt. Ça dispel le debuff Fate Bolt ? Ouais. Ok. Ouais. Satanic dispel le Spitfire et Fate Bolt. Sumail. Ah, il a déjà parti de là. Voilà. Oh, il revient. Oh. Il veut essayer de le tuer. D'accord, il y a monnaie pas loin quand même. Est-ce qu'il y arrive ? Oh, le double spawn. Il va manquer un peu de dégâts, non ? Il va... Ok, non, ça va passer le justesse, on va perdre Seb, mais si on perd Sumail, c'est pas rentable comme histoire. J'aime la tentative parce que ça montre qu'ils viennent jouer, ça montre qu'ils tentent des trucs, ils perdent une gemme aussi au passage. C'est une bonne tentation de. J'ai bien tenté, mais finalement ils ont perdu un Inklings et les pistes. Par contre, ils ont perdu une gemme, mais je crois que personne l'a vu. Si peut-être le MK. Si le MK l'a pigné. Bonjour. C'est la gemme. Le demi-tour triste du coursier du Tidehunter. Tu fais le tour. Ah bon, bah d'accord, ils l'ont prise. Ouais. Ok, on a fini cette Linken sur la Lina, je crois qu'elle arrive à l'instant. Hop là, c'est chose faite. Ok. Qui est-ce que tu vas tuer? Je crois qu'il faut essayer de burst le Doom. Parce que Satini avec Satanic, avec Elven Tunic, avec le talent de résistance au status. Ouais. 4200 HP. Le Doom, on a vu que quand ils peuvent tout lui mettre, bah ils l'ont presque tué sur la durée du Roar, quand même. Ouais. Il peut mourir, apparemment. Ouais. Donc il va acheter un disc maintenant. Ouais, ouais. Exactement. En plus, c'est, on en parlait à la game précédente, la synergie avec le Refresher est très bien, vu qu'il a déjà sa Refresher Roar. Ça va être très chouette. Ok. Bon, OG qui maintient un petit peu la tête hors de l'eau. Alors, depuis tout à l'heure, ça fait bien 7-8 minutes depuis avant le rush précédent que l'avantage de Gold continue à foncer en faveur de Aster. Donc, on n'arrive pas non plus à arrêter l'hémorragie du côté OG. Mais on n'a pas perdu la game. Non. Et finir la game contre un line-up de Tide, Klings, Rubik, ce ne sera pas nécessairement facile. Ok, il bait les Tini, le monkey derrière. Il va peut-être marcher ce mais bait. Mais l'oiseau qui voit le monkey. Donc, ouais. Il va peut-être marcher ce bait. Ou alors le Tini va sauter sur quelqu'un à la place. Ok, Thompson. Ouais. C'est vrai. Tini qui va engager à la place. C'est bien ce petit bling pour trouver le toss vraiment sur la bonne cible. Oh, la télékinésie défensive avec la shard. Bon, allez, le Ravage pour aller avec. Le prochain pour le Ravage. Le Ravage a plus de valeur. Mais on a vu la shard Rubik là pour repositionner le... Ouais, c'est shard Rubik qui est très très fort. Hein. Repositionner le DK quand il s'est fait engager. Je crois que Rubik... Il y a quelques patchs, Rubik était complètement mort. Mais avec ce shard... Ouais, c'est... Rubik, il a un pseudo save. Hein. Elle est pas mal du tout cette shard. Allez, on va trouver nos tails. Bon, il a pas de ravage, même s'il venait à mourir, ce serait pas la pire des choses. Ouais, et il va mourir sur le lancer d'arbre. Okay. Il veut acheter un refresher sans blink. Hotel. C'est ambitieux. T'as pris les charges d'auto sur 25 le Tini ? C'est ça ? Ah, il a deux charges d'auto. Ouais, il a pris les charges d'auto, tout à fait. J'ai vu l'autre pris de temps en temps. Moi je pense que le toss est mieux. Okay. Allez, on va faire Rolling Blade sur le DK comme on nous le montre. Une minute avant la prochaine roche. J'ai qui ont 4 buyback maintenant. Presque 5, donc je crois avec 5 buyback, il dirait ok, faut qu'on prend un teamfight. On va tenter de contester ce rush-in.
avec tous nos buybacks, et peut-être on peut faire quelque chose. Ouais, ça va ressembler un peu à la game d'avant où on a eu au final ce fight autour de Roche où on se rappelle c'était Sumel qui avait pas de buyback mais tous les autres 9 joueurs de la game en avaient. Ça va être de nouveau une situation assez similaire. Auger, ils jouent toujours très très bien avec leur buyback. Ils ont toujours, pour les fights les plus importants, ils ont leur buyback. Hein. Ils ont gagné TI contre LGD avec les buybacks. Parce que les buybacks, c'est au final, ça on en parle peut-être pas suffisamment sous cet angle-là, mais c'est la ressource la plus importante de Dota à partir d'un certain moment de la game. Mm-hmm. C'est une véritable ressource, c'est vraiment un truc autour duquel il faut jouer. Il y en a un qui part pas là, je pense. Ouais, toi tu pars pas. Ok. C'est ça qui m'a. Au repop de Roche, malheureusement pour Roger, donc c'est un peu embêtant d'avoir un mort à ce moment-là. On l'a dit, il a un buyback, donc ça va. Ok. L'oiseau qui scout le Rochon. Okay. Tini qui TP à Rochon. White Album. Sumer qui voit White Album. Avec la gemme, on va Link pouvoir trouver les petits hawks là qui sont posés. Astar qui voit le Rochon. Commence la roche. Ouais. OG qui. Donc, pas encore vu que Asta on commence. Nazan, il va scouter le roche. Ouais. Ok, OG les sait. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Ping et. Non, c'est trop tard. Sumel continue à aller en bas. Ok, roche pour Asta. Donc, ils ont décidé de défendre le high ground. Il y a un Aghanim ou un refresher sur celui-là, c'est le numéro 3, c'est le numéro 2, c'est refresher. Ou ça va être un Doom avec plein de Doom. Ouais. Ou alors tu donnes au Tréon, c'est cool aussi. Mais ouais. Préférément Doom, je crois. Ah, il a déjà Refresher. Donc. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu as vraiment besoin de 3 Doom. Je suis peut-être pas sûr non plus. Un petit overkill, mais. Je préférais qu'il le donne au Tréon à la limite. Mais Double Overgrowth, c'est pas une blague non plus. On a vu Swift Blink sur le Tiny au passage. On nous montre aussi Blink. Les petits talents 25 saisis, hein, évidemment, avec le talent de Death Pact sur le Klings. Qui lui donne 1300. C'est à 1300 de HP et 170 de dégâts. La télé est assez loin et je suis vieux, donc. lire les petits chiffres, c'est difficile. Ouais. Pour le moment, c'est le MK qui banque la Refresher Orb. On verra si. Ouais. Si ça reste sur lui. Je crois. Putain, le pire héros pour le Refresher. Hein. Le double Wukong's Command, tu t'en fous, ça ne fait rien. Ouais. Le double Bangle Strike, peut-être. Je ne sens pas. Mais, bon, il est probable le Sero qui a l'espace pour le Refresher. Ouais, c'est ça. Ils ont trouvé le chemin en haut. Ouais, c'est bien. On arrive à le Doom. En plus, on a Lotus Orb Aurore. Donc tout le monde est disable dans le coin. On save. C'est la télékinésie, ok, ça suffira pas pour le sauver malheureusement. Seb, lui devrait tomber aussi, quoique les Spider Legs lui donnent un peu d'espace, est-ce qu'il arrive à blink out? Non, il arrive pas du tout à blink out et tout le monde meurt dans tous les sens, Saxa est mort également sur le bord en essayant de venir sauver Sumail. Sans appel, en faveur de Aster, cet échange. Bon, les maîtres du thé, ils sont presque là, ils ont presque donner la première défaite dans la groupe stage AOG. Et ouais, depuis 2018 quand même, depuis les derniers 3 ans. Ouais. Depuis 3 ans, on n'a pas vu OG perdre un BO sur ces phases-là. Ça va peut-être être maintenant. Cette T3, elle tombe, Monet, il va chercher des héros. On tosse un petit peu le tide, on le met en position pour qu'il puisse ravage, on va le Doom. On s'en fiche, on en a encore un des Dooms s'il faut. Il a presque pas eu. Il aura pas eu d'un petit secondes. Il a les Refresher Shard encore, donc il peut se refiler un Doom s'il faut. Pas de soucis pour ce Doom. Ah ouais. Ouais, il a 3 Dooms. Si tu as 3 Dooms, tu peux l'utiliser pour un payback. Payback de Tide Hunter, Thompson au milieu du tac, il va faire un petit peu la dernière défense d'OG de Tide Hunter qui pose son Ravage et ça fonctionne. Le Doom a été posé sur Seb, sur le bas. No Tail va tomber peut-être les derniers instants de OG, malheureusement, sur ce BO face à Aster. Les Chinois qui se seront montrés du début à la fin plus forts sur les deux games. On a eu de l'espoir pour OG sur la game numéro 1 avec le Morph Shaker. On a eu un peu moins d'espoir sur cette game numéro 2. Avec Aster qui a très rapidement pris le contrôle de la situation et qui n'a pas laissé passer quoi que ce soit, notamment grâce à un XXS royal sur son Doom. Ouais, est-ce qu'il a mouru? Ok, il a mouru deux fois, mais pas dans la première 3 minutes. Donc
Non, c'est ça. On se rappelle les items. Une de ces deux morts, c'est où il buyback droit derrière pour le second rush. Ouais, exactement. Rush, ouais. XSS qui a eu un monstre de game. Non. Au jeu, il n'était pas trop mal commencé dans le mid-game. Ils ont pris quelques tours, mais ils n'ont pas réussi à détruire un tier 2 à top. Ils ont beaucoup essayé, mais... Ah, ce feeling que tu as contre Tréan, c'est quand tu n'arrives pas la première fois, tu as l'impression de devoir tout reprendre à zéro aussi. Mm-hmm. Parce que tu te dis, tout le travail qu'on a fait, la tour elle est full HP, ça ne servira à rien. Exactement. Ils ont utilisé tous, OG ont utilisé toutes ces ressources d'essayer de détruire ce tier 2, mais Aster, ils ont bien défendu. Ouais, ça. Mais c'est joli ce qu'on voit de la part de Aster. Après, comme on le disait un petit peu à certains moments pendant la game, on a des moves pas très propres dans cette game de la part d'une équipe comme de l'autre. Ouais. Donc on a besoin d'un peu plus de discipline et un peu plus de venir, on va dire, un peu affiner ce gameplay. Mais j'aime bien ce que je vois de la part de Aster. C'est une équipe qui a l'air d'avoir des plans de jeu et de savoir comment les mener à bien et de savoir comment jouer sur ses timings. Et, c'est cool. J'ai bien joué avec leur première game avec la full roster d'Aster. Ouais, carrément. Bah c'est bon signe, c'est bon signe. White Album encore, comme tu le disais, il est dans ses premières games, donc on le sent encore un petit peu tremblotant. Il fait 12-3, là, il fait une jolie game, mais un peu tremblotant quand même. Mais bon signe pour Aster. Si vous êtes fan de Aster, il y a peut-être un avenir pour cette histoire. On va garder un œil sur eux. On déplore la défaite de OG, mais c'est pas grave, on va voir ce que le canap nous dit de tout ça. En plus, il y a des games en parallèle. Il faut que vous nous débriefiez tout ça, messieurs. C'est à vous.